Go Bombay. Oh. Ah, j'ai tué quelqu'un. Hey. Gauche, 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 droite, droite, gauche, droite, gauche. Gauche, droite. Hey, petit, va te chauffer, va te chauffer. Alors aujourd'hui, là, c'est ton cadavre qui a quitté ici. Je peux m'échauffer avec mon coach? Tu dis quoi même? Il faut aller te chauffer contre King Kong. Avec King Kong, Mohamed Ali, George Foreman, il faut les regrouper. Tu vas le tuer. Je vais le tuer. Tu vas le tuer. Je vais le tuer. Tu vas le tuer. Je vais le tuer. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais le tuer. Je vais le tuer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Viens là! Mon champion! Viens là, je vais te tuer! Mon champion est prêt à combattre! Hein? Mon champion est prêt à combattre! Ton champion est prêt? Oui. Moi aussi, mon champion est prêt! Dis-moi! Non! Dis-moi, vas-y! Non, non, non! Y'a quoi? Y'a quoi? Oh. Hey, hey. Y'a quoi? Oh. Viens là! Viens là, je vais te tuer, viens là! Viens là! Tu te calmes, hein? Viens là, je vais te tuer, viens! Tu te calmes, Jérémy! Je vais te tuer! Tu te calmes! Je vais te tuer! Tu vas tuer personne! Je vais te tuer! Tu ne vas tuer personne! Je vais te tuer! C'est quoi son ethnie déjà, baby visible? Est-ce qu'il n'est pas baoulé ou bien agni? S'il n'est pas baoulé, il est agni. Oui, c'est même agni. Ah, hein. Non, il faut changer son nom en baoulé. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. On peut l'appeler comment? Ba Kwadjoka. Voilà. Ba Kwadjoka. Ouais. Donc, baby Philippe devient Ba Kwadjoka. Ba Kwadjoka. Voilà. Zepele. Voilà, c'est ça. Maintenant, Alpha Blondie. Il est quoi? Lui, il est quoi? Lui, il est Dula. Le Dula, hein? Voilà. Vous le trouvez, non, Dula. Moi, je vous trouve ça. Vas-y. Il s'appelle Fatoroma Manemeneni Gisouba. Alpha Blondie. Attends, je note ça. Attends. Voilà. Fatoroma Manemeneni Gisouba. Non, pas vite comme ça. Fatoroma Manemeneni. Le Y. Là, c'est où? Si c'est pas au début, c'est à la fin. D'accord. Gisouba. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé pour Magic System. Hein, eux, ils sont quoi? Eux, là, on ne sait pas. Hein. Mais j'ai trouvé. On va les appeler maintenant. Djedje Digbepa Gounoua. On dit Djedje Digbepa Gounoua. Voilà. Djedje Digbepa Gounoua. C'est ça. Voilà. C'est comme ça, Magic System, maintenant, c'est ça. Ça, c'est la sorcellerie. Voilà, c'est ça.
avec des noms comme ça, là, on va voir comment vous allez leur demander des selfies. Non, on n'a pas besoin de selfies. Charlotte là qui demande selfies. Vous courez derrière les enfants. Moi, je demande. Quand tu nous vois là, c'est pour nous. Les gens cherchent à voir pour votre selfie. On garde notre dignité. On garde notre dignité. On est beau. Voilà, on n'a pas de parlementaire qui coupe derrière les enfants. On coupe pas derrière les artistes. Artistes quoi? Nous là, tu vois jamais nous voir courir derrière les artistes. Jamais. Des enfants comme ça, moi, je cours derrière les. Tu n'as pas d'honneur. C'est toi, Michel. Si tu veux, mange, t'emmène chez moi. Nous pourrons bien nous amuser, caresser. On va se toucher, toucher le bébé. On va zouker. Zépele. Non, 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 non. Non, 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 non. Faut pas que tu sois étonné. Du plaisir que je vais te donner. Almighty God, on peut nous frapper avec une respiration. Waye, waye. Comme on est ici chez nous. Aux hommes, vas-y, tu vas bouger. Mama Africa va danser. Cadeau, on va partir. Joyeux anniversaire, joyeux. Ferme ça. Ta barbe de bouc là, je vais te frapper tout de suite. C'est qui ton doyen? Non, vous êtes mon doyen. Mais c'est fini. Toi, tu connais mon âge? Non, non, on n'a pas plus besoin. Non, je dis que tu connais mon âge. J'ai envoyé un ton grand-père doyen. Hein? Ton grand-père doyen. Oui. Ton père doyen, oui. Tes aïeux doyens, oui. Tu le connais où? Non, non, on a appris l'adversaire. On a envoyé un médicament qui rajeunit. Tu vas rajeunir de 35 ans, attrape ça. Ah bon? C'est, tu prends ça seulement, tu rajeunis. Ah bon? C'est-à-dire, c'est le médicament du genre. Tu... C'est ça? Ouais, c'est... Doyen, alors, ce médicament, donne-moi ça d'abord, ça on ne boit pas. Ah. Ça, on ne boit pas. Alors, c'est un médicament. Oui. Oui. Et dis, il va faire une petite démonstration avec ce médicament, ce produit. Oui. Et dis, ce médicament est très très bon. Petit médicament est très efficace. Oui. Il dit c'est un aphrodisiaque dangereux. Oui. 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 Et dit si tu es vieux, quand tu prends ce médicament, tu rajeunis de 35 ans. Attends, c'est lequel des médicaments? C'est lui-là ou bien c'est lui-là? Non, ça, c'est ça qui est bon là. Ça là, on ne voit pas. Ça, c'est un médicament. Oui. 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 Et dis ce médicament, si tu t'es court, que tu bois ça, tu deviens gras. Voilà. Oui. Celui-là, si tu es chauve, quand tu bois ce médicament, tu pousses des droites. Ouais, non, non, ça c'est pas bon, ça on boit pas. Ça, oui, oui. Ouais, non, ça on boit pas. D'accord. Ouais. Je compte. Ça dit, tu
tout ce que tu es en train de dire là, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. Lui là. Ouais. Lui là. Tu dis on boit pas. Non, non, ça c'est pour les fous dangereux. Ça, on met seulement sur la nuque, on boit pas. On boit pas comme ça. Ouais, ouais. T'es une oui. Alors, dis ça, c'est ça. Oui. Oui. Et dis, si tu étais grand de taille, que tu bosses au médicament, tu deviens court. Et si tu étais déjà court. Bon, ça, on boit pas. Ouais, c'est ça la question. Oui. Bon, on peut dire. Oui. Non, 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 ça, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas mettre dedans. Il faut faire sortir. Non, ça, personne ne boit ça. Non, je sais, faut pas dire personne ne boit ça. Ça, il ne faut pas tester des trucs comme ça. Est-ce que quelqu'un a déjà bu? Non, non, non. Mais, personne ne peut boire ça là. Oh, je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Je sais. Bon, et si par hasard, ça dit, contre toute attente, quelqu'un boit ça là. Ah bon, si quelqu'un boit ça par hasard, par accident, ce qui risque jamais accident. D'arriver. Ça dit, s'il ne sait pas ce qui se passe, voilà. Et puis il tourne d'eau comme ça, et puis il boit. Ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire, dans certains cas là. Il n'y a pas d'exception. Oui. Oui. Ah voilà. Et dis, si par hasard tu bois ça, mais une seule goutte, il n'y a pas d'antidote. Je dis, il n'y a pas d'antidote. Ça là, quand tu bois, pour quelqu'un qui a déjà bu là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui soigne ça? Voilà, c'est ce que je demande, mais je ne crois pas. Non, petit. Oui. Bon, est-ce qu'il y a. Oui. Ah d'accord. Moi j'ai déjà bu. Ah d'accord. J'ai bu. Le médicament là, quand tu bois là, ça te rajeunit. Et puis tu m'as donné en même temps, moi je pensais c'est que ça. Il fallait me dire ça. Oui. Bon, on va trouver une solution. Alors, c'est quoi la solution? Oui. Bon, voilà, il y a un antidote, tu dois donner de l'argent. Bon, combien comme ça? C'est combien? Oui. Ouais. Voilà, 600 francs. On va. Oui. Oui. Ah d'accord, 1400 francs. Oui. Oui. Ah, 30 000 francs. 30 000 francs. 30 000. Oui, 30 000. Ça c'est peu de choses. Si c'est ça, mais si je donne 30 000 francs là, il y a l'antidote. Oui, oui, oui. Ça, et puis ça tue à même temps tout de suite. D'accord. Non, là, ça c'est facile. Ouais. Voilà. Okay. Voilà les 30 000. Ouais, ouais. Il ne me reste plus rien. Si Boukari revient là, je suis mort. Ah non, ça va aller. Hein? Ça va aller. D'accord. Bon, donc c'est bon. C'est bon. Non, donne l'antidote. L'antidote, c'est l'argent là. C'est fini. C'est fini. Ouais. Ah non, attends. Donne l'argent. Non, non, vieux. Il faut passer l'antidote. Ouais. Non, donnez l'argent là d'abord. Voilà, petit. Non, c'est il a donné combien? Tu es malade. Tu es malade, quoi ça? Tu le connaissais? Ah, comment ça, il le connaissait? C'est pas qu'il parle de la malade. Toi, tu penses quoi? Il n'a pas besoin de toi. Non, Ronaldo! C'est des escrocs. C'est des escrocs. Un chat est bloqué sur la branche d'un baobab à 7,21 m de hauteur. La propriétaire de ce chat, une dénommée Charline, demande de l'aide à ses voisins qui sont au nombre de 10. 10. Sur ces 10 voisins, seulement 3 acceptent d'aider Charline parce qu'elle est chiante. Quoi? Oui. Attends, 10 personnes pour un seul chat. Pour atteindre la branche, les 4 individus décident donc de procéder à une courte échelle. Le premier voisin, Mamoun. Mesure 1m85. Mamoun, 1m85. Le deuxième voisin, un petit homme chauve et mal poli dénommé Gofu. Gofu. Mesure quant à lui, 1 mètre. 1 mètre. Non, non.
C'est 1m60. Mettez 1m60. 1m60, c'est FA. S'il vous plaît. Enfin, son dernier voisin, un dénommé Big Beu, mesure quant à... un dénommé Big Beu mesure quant à lui 1m75. Sans oublier Charline, qui mesure 1m70, Charline. Mais auquel il faut soustraire 6 cm de coiffure. Donc, moins... Mamoun monte sur la tête de Charline. Gofou monte sur la tête de Mamoun. Oui. Et Big Beu monte sur la tête de Gofou. Oui. En prenant en compte que Big Beu tend les bras et que cela lui ajoute 95 cm de hauteur. Mais que le surpoids de Big Beu, qui est très très gros, tasse l'ensemble de la chaîne humaine, combien manquera-t-il de centimètres pour attraper le chat? Il ne pourra pas trouver. Allez. Mais il aurait attendu, le chat va descendre. Ça là. Non, il a échoué. Ça, il a échoué. Ah, c'est ça, c'est un candidat au BEPC. Si le chat descend tout seul, il n'y a pas de problème. Oui, mais dans la vie, quand il n'y a pas de problème, c'est bien. J'essaie de vous aider, mais faites un petit effort. Allez, allez, calculez quelque chose. D'accord. Donc, disons 1,85 plus 1, plus 1,75, plus 1,70, moins 0,6, plus 95. Disons qu'on est dans... on peut dire 4, 5. Il réfléchit. 4, 5. Il faut rester focus sur les. Restez bien, bien concentré sur la, sur 3, la, sur la question. 3. Réfléchissez. Il fait chaud dans cette salle. 1. C'est pas mal. Continuez de réfléchir. Continuez de penser. C'est bien 3. De continuer de réfléchir. Oh, on peut dire 2. On peut dire 2. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je suis pas contre, mais je peux pas. Pourquoi pas? Est-ce que c'est votre réponse 2? Qu'est-ce qu'on fait? Mais on prend 2. On parle là-dessus. Oui. Bonne réponse. Bravo. Il est fort. Parce qu'il n'est pas facile, ce problème. Non, ça, c'est pas facile. Hein. Non, bravo. Hein. Je comprends pourquoi tu n'as pas dit mathématiques, tu as dit problème. C'est pas facile. Il est fort. Excusez-moi. Il a aussi eu un très bon professeur. Ah oui, lui là. De toute façon, il nous a chauffé ici. Il nous a chicoté tout ça. Excusez-moi. J'ai réussi à l'examen. On verra. On verra, c'est déjà bon. Ok. Une espèce de troubadour. C'est là, Macha. Voilà. Qui est troubadour? Toi, troubadour. Au nom de Dieu, toi, tu peux pas m'appeler troubadour. J'ai dit troubadour 10 000 fois. Et à moi, ça. Toi, tu vas me dire troubadour. Voilà. Je te dis troubadour aujourd'hui. Hein? Voilà. Oui. C'est ça. Les voyous. Ouais, c'est les voyous. Le troubadour. Vivombic. Et dépose ça. Dépose ça. Alors. Regarde-moi ça. Comment tu dis ça, Vivombic? Condamne you. Regarde-moi ça. Répète ça encore. Non. Donne-moi ça. Répète ça encore. Toi, tu la fermes. Toi, tu la fermes. Donc maintenant, c'est sur moi. Oui, toi. Quand il m'a insulté, tu as dit quoi? Toi, quand il m'a insulté, tu as dit quoi? Regarde-moi ça. Ça va pas sur toi. Vos enfants sont dans une école publique ou privée? On s'en fout. Non, on parle pas. Tu vas répondre. Public ou privé? On parle pas de ça. Faut répondre. Public ou privé? Quand il s'agit de répondre, il n'y a plus personne.
plus, Didi. N'a pas honte. En fait, les microbes, c'est vous deux. Un microbe à chapeau et un microbe chauve. Monsieur Digbe Cravate, pouvez-vous me donner le prix d'un pneu? Le prix d'un pneu? Comment osez-vous me poser cette question? Un pneu, ça n'a pas de prix. Un pneu, la fierté d'un homme, de son dur labeur, a pu s'acheter un pneu. La fierté d'un homme, ça n'a pas de prix. Une famille qui se retrouve autour d'un plat, la famille, ça n'a pas de prix. Un enfant qui, pour la première fois, découvre le goût sucré du pneu. Un pneu. Et il sourit. Le sourire d'un enfant, ça n'a pas de prix. Alors, Jérémy, je vais te répondre clairement. Un pneu, ça n'a pas de prix. Oui, Jérémy? Oui. Donc, j'ai le résultat des sondages que j'ai fait pour vous. D'accord, j'ai combien? Alors, sondage réalisé sur 10 000 personnes. J'ai combien? Représentant un panel de la population suffisamment large. Combien? Pour être représentatif de l'électorat d'une élection de président fondateur. Le nombre de personnes déclarant prêts à voter pour le supposé candidat Gohou Michel est de 2 sur 10 000. Ouah ouah ouah. Attendez. Yeri, tu as dit combien? 2 sur 10 000. Attends, 2, tu ne voterais pas pour moi? Non, 2 qui voteraient pour toi. Donc ça veut dire que sur 9998 votants. Non. Non, non, non. Il y a deux seulement qui disent go, on ne votera pas pour toi, go, on vote pour toi. Deux seulement. Hein? Non, alors en fait, d'après le sondage, c'est pas vraiment qu'il y a 9998 personnes qui ont dit on ne voterait pas pour Gohou, c'est 9998 personnes qui auraient dit c'est qui Gohou. Les gens ne te connaissent pas en fait. Non. Ils ne savent pas qui tu es. Mais ah c'est normal, ils passent inaperçus. Ah, attends, pardon. Je me suis trompé. Le 2, en fait, c'était le numéro de la page. C'est 0. Il y a 0 personnes. et moi, mon sondage, Jérémy? Alors, le sondage de Charlotte Ntamack. Le nombre de personnes déclarant être prêtes à voter pour le supposé candidat Charlotte Ntamack est de 9839 sur 10 000. C'est pas vrai. Ce qui voudrait dire quand même que potentiellement, si elle se présentait aux élections, elle pourrait être élue. Merci, Jérémy. En fait, c'est ce que je voulais dire. Quand j'ai dit, moi, je pense que Charlotte est plus connue que tout le monde. Regarde-moi ça. Va là-bas. Jérémy, pourquoi elle est aussi connue comme ça? Mais parce qu'elle travaille son image, Charlotte. Tu vois, regarde déjà sa tenue vestimentaire. Elle met que des vêtements, Charlotte, qui la mettent en valeur. Toi, tu mets des vêtements qui mettent Charlotte en valeur aussi. Elle travaille sa coiffure, ses cheveux. Regarde, il y a toujours un caractère différent. Tout le monde parle des cheveux de Charlotte. Et c'est pas pour rebondir là-dessus, mais je me permets encore une nouvelle fois de te reparler de ses perruques. Parce que peut-être si tu travaillais le style de tes cheveux, tu gagnerais en popularité. Donc c'est à cause des cheveux, là, Charlotte est populaire. Elle a connu à cause de ses cheveux. Eh oui. Hein? C'est dur, hein? On
On dirait ça, c'est bon, hein. Ça se rapproche, non? Voilà. Tu sens populaire. Eh, gars! Tu sens populaire. Eh, ça tient! Ouais. Ça tient! Ça doit se gâter! Ça gâter! Go! Président! Go! Oui. Il m'a pas de campagne. Vas-y. Il m'a pas de campagne. Go où, président? Oui, Jérémy? Oui. Donc, j'ai le résultat des sondages que j'ai fait pour vous. D'accord, j'ai combien? Alors, sondage réalisé sur 10 000 personnes. J'ai combien? Représentant un panel de la population suffisamment large. Combien? Pour être représentatif de l'électorat d'une élection de président fondateur. Le nombre de personnes déclarant prêts à voter pour le supposé candidat Gohou Michel est de 2 sur 10 000. Ouah 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 hey attendez. Alors, Yeri, tu as dit combien? 2 sur 10 000. Attends, 2, tu ne voterais pas pour moi? Non, 2 qui voteraient pour toi. Donc ça veut dire que sur 9998 votants. Non. Non, non, non. Il y a deux seulement qui disent go, on ne votera pas pour toi, go, on vote pour toi, deux seulement. Hein? Non, alors en fait, d'après le sondage, c'est pas vraiment qu'il y a 9998 personnes qui ont dit on ne voterait pas pour Gohou, c'est 9998 personnes qui auraient dit c'est qui Gohou. les gens ne te connaissent pas en fait. Non. Ils ne savent pas qui tu es. Mais ah c'est normal, ils passent inaperçus. Ah, attends, pardon. Je me suis trompé. Le 2, en fait, c'était le numéro de la page. C'est 0. Il y a 0 personne. et moi, mon sondage, Jérémy? Alors, le sondage de Charlotte Ntamack. Le nombre de personnes déclarant être prêtes à voter pour le supposé candidat Charlotte Ntamack est de 9839 sur 10 000. C'est pas vrai. Ce qui voudrait dire quand même que potentiellement, si elle se présentait aux élections, elle pourrait être élue. Merci, Jérémy. En fait, c'est ce que je voulais dire. Quand j'ai dit, moi, je pense que Charlotte est plus connue que tout le monde. Regarde-moi ça. Va là-bas. Jérémy, pourquoi elle est aussi connue comme ça? Mais parce qu'elle travaille son image, Charlotte. Tu vois, regarde déjà sa tenue vestimentaire. Elle met que des vêtements, Charlotte, qui la mettent en valeur. Toi, tu mets des vêtements qui mettent Charlotte en valeur aussi. Elle travaille sa coiffure, ses cheveux. Regarde, il y a toujours un caractère différent. Tout le monde parle des cheveux de Charlotte. Et c'est pas pour rebondir là-dessus, mais je me permets encore une nouvelle fois de te reparler de ses perruques. Parce que peut-être si tu travaillais le style de tes cheveux, tu gagnerais en popularité. Donc, c'est à cause des cheveux, là, Charlotte est populaire. Elle a connu à cause de ses cheveux. Eh oui. Hein? C'est dur, hein? On dirait ça, c'est bon, hein? Ça se rapproche, non? Ça tient, ça doit se gâter,
C'est gâté. Go, président. 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 Oui. Il m'a pas de campagne. Vas-y. Il m'a pas de campagne. Go, président. Alors, Jérémy, comment ça s'est passé à l'ONU? À l'ONU, oui. Super. Ah, ouais. Vraiment? Ah ouais, super. Ils ont doublé la subvention. Hein? Hein? C'est vrai? Hein? Non? Bon, rassurez-vous, j'ai quand même réussi à négocier. Donc au final, ils ne portent pas plainte contre vous et ils continuent à vous verser la subvention. Ah. Ah bon? Ouais. Ah mais non mais là il est trop fort. Il est vraiment là, Comment, comment tu as fait? En fait comment j'ai fait c'est simple. Hein. Je leur ai dit en ce qui concerne la plainte c'est hors de question. Ouais. Okay. Et en ce qui concerne la subvention c'est hors de question. Comment ça? Et ils ont accepté? Ils ont accepté. Wow. Sans rien en échange? Hein? Non sans rien en échange. Enfin si juste que vous tourniez des pubs pour l'ONU à la télévision. Voilà. Attends, tu leur as dit que nous allons tourner une publicité pour la télévision? Ah, je leur ai pas dit, j'ai promis, j'ai signé des contrats, vous allez tourner plein de pubs pour l'ONU. C'est une belle négociation que j'ai faite, je pense. Quand il dit au président que blanc l'est fou, il croit qu'il est marié. Président, ton blanc l'est fou. Hey, c'est pas mon blanc, c'est ton blanc aussi, hein. Et c'est le blanc de Gou aussi. Ah, hein. Hey, vous là, enlevez-moi dans blanc là. Hein. Mais attends un peu, Jérémy, ce serait quoi comme pub? Ah, mais la publicité, ben, ça, la première, c'est une publicité pour, contre l'immigration. Comme c'est un petit peu le problème principal, ils se sont dit que ça serait bien que des membres du bureau exécutif parlent aux jeunes qui ont peut-être envie d'émigrer et qu'ils leur disent on est concernés, on a été concernés aussi, restez ici, on va vous protéger. Enfin voilà, un truc contre l'immigration. Ah, mais c'est une très très bonne idée, hein, Jérémy. Oui. Ça y est, on a perdu Charlotte. Ça là, est-ce qu'on t'avait dit qu'on l'avait retrouvée? Ah ben ça suffit maintenant, hein? C'est quoi ça? Hey. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de vos petites remarques condescendantes, là, sexistes et misogynes. Hey. Hey. Ouais. Vous voyez? Charlotte! Ouais, c'est vous deux là. Vous ne faites que vous moquer de moi, hein? Vous me rabaissez, vous m'humiliez tous les jours, alors que je ne fais que ce pour quoi je suis payée. Défendre le peuple et la démocratie. Non! Non. Non! Non. Elle n'est pas perdue, Charlotte. Elle n'est pas perdue. Elle est là, elle existe, Charlotte. Et elle a un avis. Mmh. Une heure que je ne dis pas un mot. Hein? Ouais. Que je vous entends, vous vautrez dans la bêtise, dans l'égoïsme, dans la lâcheté. Vous avez détourné l'argent, vous avez détourné de l'argent pour nos enfants, l'argent qui pouvait aider nos enfants à mieux vivre dans notre pays, sur notre terre, la terre qui les a vus naître. Honte à vous, monsieur. Honte à vous. Non, non. Alors, moi, écoutez-moi je suis pas bien. Dedans. Oui, président, tu es dedans. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez bien, Charlotte. Vous allez me mettre de côté vos petits égos et vos petites fiertés de petits politiciens malheureux et stupides, et vous allez me tourner cette publicité-là. Et comme vous m'appelez femme de général, ah ben d'accord, je vais me comporter comme un général. Mon général, Charlotte, de ce valet-vous. Et je vous jure qu'un... Au nom de Kobi Nyabilek et de Oum Niobe, si vous ne tournez pas la publicité, si. Et si, comme vous dites que je suis perdue là, mon mari va donc vous retrouver et il va vous fusiller. Elle a parlé de... Moi, en fait, je ne comprends pas pourquoi elle s'énerve pour une publicité qu'on va tourner. Mais honorable Dubé, oui.
Est-ce que nous, on a dit qu'on ne tourne pas la publicité pour les jeunes? On va tourner, Je, mais je ne comprends pas. On n'a même pas encore donné notre avis. Tu es là, comme il dit, tu as quel problème? Charlotte, une publicité contre l'immigration, on va la tourner, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je ne viens pas interrompre, là. Il ne faut pas venir nous interrompre ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ça? Le chigan, il flan, président. C'est qui cette dame-là? Oui, mais j'ai tout fait pour l'arrêter. Mais elle veut à tout prix voir le bureau exécutif. Non, on ne vient pas comme ça au bureau exécutif. Il n'y en a pas de boulot. Elle dit quoi? Mais on ne comprend pas ce qu'elle dit là. Mais elle parle seulement en bambara. Mais comment il va faire? Non, on ne parle pas bambara. Président, moi je traduis. Toi tu parles bambara? Je vais traduire. Non, est-ce que tu parles bambara? Oui, un peu. Je vais traduire. Hein? Où? Oui. Ok, vas-y. Monsieur Koraba, elle danse. Avec Madia Adjaranye. Ah, elle dit oui. Qu'en tout cas, elle est très contente. Mais c'est ça. Elle est très contente d'avoir la parole. D'accord, ici, c'est dis-lui que le Parlement, c'est le peuple qui a la parole et elle est la bienvenue. Et qu'on allait même voter une loi pour des personnes âgées comme elle. Ah, qui danse? Qui est-ce qu'il y a un peu de temps? Elle dit, oui, vas-y, dis. Elle dit que le peuple est en train de souffrir. Oui, on le sait. C'est pour il y a ça des pauvres au Gondwana. Oui. Et vous êtes assis ici sur l'argent du peuple. Que vous êtes des escrocs, des voleurs. Surtout toi, président, que toi, tu es un sauvage. Elle a dit ça. Et au fond, non? Go. Cette femme m'a l'air tout à fait respectable. Ouais. Par contre, toi, non. On te connaît, ton CV est long comme ça. Je te préviens, si tu profites de ça pour régler tes comptes personnels, je vais changer de traducteur. Non, suite. Je vais traduire maintenant. Je vais bien traduire maintenant. Traduis, hein? Oui, je vais traduire. Ah, à toi fort. Allah konye si jambad nemane, ne si chamanzoronga ne debe sara. Elle dit que le Dieu, elle a eu la chance d'avoir longue vie. Oui. Dieu lui a donné cette longue vie, oui. Mais tous ses enfants sont morts. Elle dit oui. Que tout le monde raconte qu'elle est une sorcière, qu'elle a bouffé tous ses enfants. Donc elle est rejetée par tout le monde. Dis-lui qu'on est là pour voter une loi pour s'occuper d'elle. L'État ne doit pas abandonner des citoyens comme elle. À côté. Elle dit qu'elle est très fatiguée. Oui. Ah. Go, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je sais là. Elle est fatiguée. Go, arrête ça. Qu'est-ce que tu fais là? On te demande pas de traduire les pleurs, ça se voit qu'elle pleure. Mais tu as dit de traduire. Tu as dit de traduire. Honorable Gohou. Je traduis. Honorable Gohou. Ou bien. S'il te plaît. Oui, à quoi? Demande-lui, est-ce qu'elle peut reconnaître ses petits-fils? Est-ce qu'elle peut reconnaître ses petits-fils? Oui, oui, ses petits-fils qui l'ont abandonné là. Oui, maman Deo. Oui, mais c'est qu'on biwa. Ah bon? Moudo, d'où elle va à bureau là? Quoi? Elle dit oui. Qu'elle reconnaît très bien ses petits-enfants. Qu'il y en a un même ici dans ce bureau. Et c'est pas moi, hein?
Ah bon? Elle dit oui. que le monsieur, il est assis à la droite de Charlotte. Hey, c'est pour ça que tu parlais pas depuis tout à l'heure, dis-moi. Il est mon petit-fils. Ah. Donc, son grand-père, c'était Digbe Vess. Son père, c'était Digbe Chemise. Lui, il n'a eu que cravate, il ne veut pas m'aider. Digbe cravate. Attends, donc toi, donc tu comprends français et puis moi, tu, depuis là, tu me fatigues. Et toi, attention. Tu n'as pas fait quoi? J'ai été sifflé. Voilà. Ça va pas, non? Voilà, voilà, c'est bien. C'est bien. Je vais te mettre au monde, hein? C'est bien. Impoli. C'est bien. Pauvre de quoi? Ça bien. Va pas? Encore. Ah, c'est pas que tu t'étais. Encore. Un petit comme toi, tu as fait tout le monde. Encore. Et t'engager tout de suite. Ouvre la bouche, maman. Ouvre la bouche, maman. Ouvre la bouche. Madame, faut ajouter, Madame, faut ajouter. Nique, manassa, mit du cono. Bien fait pour toi. Soldat, merci. C'est parce que c'est une vieille, sinon il y a longtemps je suis rentré dans. Non, mais dis pas ça. On t'a dit. Bon, c'est pas grave. Donc c'est pour ça qu'il était contre cette loi-là. Le président. Espèce d'ingrat. Ingrat. Ça. Rends-moi ça. Toi, tu crois connaître les gens, vraiment, tu es toujours déçu. Mais tu es malhonnête. Quand quelqu'un a une tête pointue comme ça, que c'est un ingrat. Eh bien, on va la voûter. Tu ne t'occupes même pas de ta grand-mère. Moi, j'ai fini de travailler. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte. Moi, j'ai fini de travailler. Nous allons recevoir ici une personnalité très, très prestigieuse. Et je compte sur vous pour m'aider, parce que j'ai des pressions politiques, économiques, diplomatiques. Même toi, tu l'as. Jérémy. Non, mais il faut vous détendre, Président. Vous avez l'habitude de recevoir des personnalités. Ça reste un être humain, qui que ce soit. On souffle, pas de stress, on contrôle ses émotions, enfin. Merci, Jérémy. Qu'est-ce qu'il y a de dit, là? Alors, Jérémy... Ça reste un homme. Dans tous les cas, ça reste un homme. Voilà, je t'annonce qu'on recevra ici Emmanuel Macron. Emmanuel Macron? Oui. Qui c'est? Attends, vas-y, il est fragile, hein? Jérémy, président, au nom de... Il est mort! Major! Il est mort, on finit toujours! Il est mort! La grande force a encore frappé! Hé, de quoi? Vérifie bien. S'il est mort, je prends sa chaussure. Non, il n'est pas mort, il est juste évanoui. Amène-le qu'on s'occupe de lui. Tu pleures pourquoi? Tu le connais où? Quitte là-bas! Amène que quelqu'un qui s'occupe de lui. Amenez-le. On quelqu'un va s'occuper de lui. Juste évanoui. Allez. Allez, la chaussure. La chaussure. Et goût. Hein? Moi, c'est la chaussure qui m'intéresse. Allez-y, mais c'est quoi ce soldat-là? Eh, blanc, mais toi, noir, tu pleures, on dirait, c'est ton frère. Il est mort. Mais le blanc est fragile, hein? Il est très fragile. Hein? Ah ouais. Quoi? Président. Tu as bien compris, j'ai tout vu. Président. Hein? Elle a tout vu. Hein? Elle a tout vu. Elle a tout vu, bien même. Charlotte, tu as quoi? J'ai tout vu. Elle a tout vu. Bien même. Et j'ai tout compris. Elle a tout compris. En tout cas, elle a tout compris. Bien même. Donc, vos histoires de touristes, des taximens qui allaient souffrir, les enfants qui n'ont pas de chaussures, les guides touristiques. Donc, c'était vous. Donc, c'est à vous que vous pensiez. Charlotte. Donc, c'était vous trois là avec vos partenaires du golf. Charlotte, tu as mal compris. Oui, tu as mal compris. En fait, Charlotte,
tu as mal compris. Bien même. Non, mal même. Vous me prenez pour une idiote. Vous me prenez pour une idiote. Vos amis sont venus construire des hôtels et comme vous avez besoin de touristes, c'est pour cela que vous ne voulez pas faire passer la loi sur les visas. Ah, d'accord. Vous donne les mallettes pour ça. Ok, c'est bien ça. Charlotte, tu as raison. C'est la vérité. Mais on s'en gagne. C'est pas fini. C'est pas fini. Ça quand même. Les gens, on te respecte, ça suffit pas. C'est ça. On s'en gagne. Pense ce que tu veux, on s'en fout. Voilà. Ouais, mais si les touristes ne viennent pas, c'est toi qui as donné à manger aux gens ici. Ah. On t'explique ça. On a besoin d'investisseurs. C'est eux là, les investisseurs. On t'explique ça depuis tout à l'heure. Si tu imposes des visas, les investisseurs vont partir et c'est le Gondwana qui va se ruiner. Charlotte, réfléchis. Tu comprends pas. Mais pourquoi vous ne réfléchissez pas, hein? Les étrangers sont les seuls touristes au monde. Il y a des Gondwanais ici qui peuvent remplir vos hôtels aussi. Tu as dit quoi? Les Gondwanais. Gondois quoi? Gondwanais. Oui. Depuis que tu es né là, tu as déjà vu un touriste gondwanais? Non, réponds-moi. Oui, il faut répondre. Tu as déjà vu un gondwanais se lever un matin pour dire je veux aller en touriste à l'intérieur du pays? Oui, président, il y en a. Il y a des gondwanais aussi. Il y a des gondwanais qui vont tout le temps à l'intérieur du pays. D'ailleurs, mais tous les dimanches, il n'y a qu'à voir les embouteillages sur les routes. Les gondwanais se déplacent, c'est vrai. Mais quand tu vois les gondwanais sur la route, là, il faut poser la question. Et le gondwanais te dira je vais au village. Voilà. C'est tout. C'est tourisme, ça. Quand même. Quand tu le vois revenir à la capitale le dimanche soir, tu dis il y a embouteillage. S'il est parti au village, c'est passé, il y a funérailles. C'est ça. Ou bien, il y a eu mariage de ton cousin lointain, un planteur quelque part là-bas. C'est comme ça qu'il est parti au village. C'est ça. Et quand il revient, il a quoi? Il a des fétiches contre les fétiches que ses collègues ont mis dans le bureau. C'est ça même. Mais comment tu veux faire travailler l'économie du pays? Tous ces gondwanais-là, ils ne sont pas comme les touristes. Hein. Quand ils vont à l'intérieur du pays, là, ils ne vont pas à l'hôtel. Ils vont dans la famille dormir là-bas. C'est comme ça que tu veux faire travailler l'économie du pays? C'est ça. Charlotte. Et puis, ils ne prennent pas taxi. Hein. Ils ne payent pas les guides touristiques. Non. Mais des gens qui n'achètent pas de souvenirs. Quel souvenir? Tu veux que les gens vivent comment? Honora Goumé, tu parles de quel souvenir? Le seul souvenir, c'est piment, oignon. Banane plantain, gibier de brousse. L'agouti, là. C'est ça. C'est ça. Mais vous me faites honte. Moi, je ne peux plus rester à côté de malhonnêtes. Il faut partir. Oui, je m'en vais. Je ne peux plus rester là. Elle n'a pas parti. Non, non, non. Président de la carte. Non, calme-toi. Ah. Non, Charlotte, tout non, à l'heure. Non, je m'en vais. Charlotte, tout à l'heure, il y a des images qui t'ont manqué. Tu dis comment que tu as vu trois mallettes. Oui, j'ai vu trois mallettes. Il y a une quatrième mallette qui t'a échappé. Huissier. Oui, président. Tu vois? Hein? Président. C'est pour toi, Charlotte. C'est pour moi. Oui. Alhamdulillah. Shukran. Tu vois? T'as dit? Voilà. Donc, on n'a qu'à imposer les visas. On s'en fout du peuple. On annule les visas, là. Voilà. Charlotte. Hein? Charlotte. Hein? Donne-lui un message. Non. Non. Lisez-moi, je n'aime pas ça. C'est quoi? Ça, c'est pas malade de femme. C'est pour ça, là, quand tu dis, c'est malade de garçon. C'est pour moi. Oui, je vais garder. Non. On t'a dit que c'est des maillots qu'il y a dedans. Non, ce n'est pas des maillots. Moi, je sais, président, je sais ce qu'il y a dedans. Tu n'as pas honte. Je m'en fous. Si ton front là, la honte n'existe pas là-bas. Non, ça n'existe pas. Donc, toi, tu vas prendre l'argent du peuple pour bouffer comme ça. Le peuple qui t'a élu. Le peuple à qui tu disais, je vais faire beaucoup de choses pour vous. Tu vas prendre l'argent, tu t'en fous du peuple. Ah, je m'en fous du peuple. Mais attends, c'est une question d'habitude. Son général de mari, là, c'est un escroc. Non, n'allons pas là. Non, c'est trop dangereux. Vas-y. Hé, vous là. Hé, Tibé, il fait quoi? Tibé, Tibé, viens t'asseoir. Tibé, mais toi, tu es mort.
Dis-moi. Tiens, t'as vu? Moi, j'ai rien vu. Hein. Alors, elle vous a fait du bien, cette petite récré... Oh! Tentative de soulèvement, putsch! Très bien. Alors, je vais vous demander maintenant de dénoncer immédiatement la personne qui a écrit sur ce tableau, sinon je vous punis tous. C'est Digbe. C'est très bien, Charlotte. Tu sais, je suis un professeur français et en France, la délation est très appréciée. Voici pour toi une image d'Emmanuel Macron qui fait du poney pour te remercier. Merci, monsieur. Go. Espèce de papato. Digbe, est-ce que tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît? Moi. Il n'y a pas de Digbe ici, faut te lever. Papato comme ça. Tu n'as pas honte? Va là-bas, te trouve, papato. On ne t'a pas posé question. Alors, elle t'a coiffé d'une vache. M'en fous. S'il vous plaît. Digbe, donc je suis un gaou. C'est ça, je suis un gaou. Je suis un gaou, c'est comme ça que tu me considères. Pour toi, je suis un gaou. Alors déjà, Digbe, qu'est-ce que ça veut dire? Attends, tu sais pas ce que ça veut dire. Ça te fait rire? Non, monsieur. Un gaou, ça veut dire que tu es le meilleur professeur du monde. Oui. C'est faux. Monsieur, c'est faux. Laisse-moi parler. Il ment. Gaoula, ça veut dire qu'il n'y a rien dans ta tête. Que tu es un menteur. Que tu es un sauvage. Que tu n'y a rien dans ta tête. Qu'il y a de la pourriture dans ta tête. Qu'ils ont pissé dans ta tête. Que tu es un bâtard. On dit, Gaoula, ça veut dire que tu es... Laisse-moi, c'est quoi? Ça veut dire que tu es un douille. Que tu es macrocéphale. Hein? C'est ça. Je crois qu'on... Sauvage, là. Imbécile. On a un problème là. Vas-y. Digbe. Ouais. On n'a même pas commencé. Ouais, mais. C'est échauffement là. Allez, c'est parti. Moi, c'est... On lève les bras. Allez. Et 1, 2, 3, 4. Bon, lève les bras. Saute. Bon, faut sauter. Charlotte, il saute pas. Saute. Mais faut sauter aussi. Ouais. Voilà, je saute. Allez, gauche, droite. 2, 3, 4. On descend. On inspire. On revient. On remonte. Et 1, 2. Ça, c'est quoi ça? Charlotte. Faut appeler les pompiers. Faut appeler les pompiers là. C'est quoi? Appuie. Non. Go. Faut faire bouche à bouche. Précieux Gondouanais, c'est un honneur pour moi de vous annoncer les prochains deux grosses stars de la musique interplanétaire. L'un est chanteur et a fait les chœurs de Amina de Ariel Chédé. Le second a produit Moto Moto de Didier Arafat. En attendant Camion de Serge Benoît, recevons les Zinzin de l'art.
Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh. Maintenant, je me suis adonné à la musique. J'arrange, vraiment, il l'a dit hier, j'arrange beaucoup de personnes et je suis très moins cher. La musique, il y a de l'argent dedans. Hein? Tout de suite, tu as Hammer, tu as les vraies caisses. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui veulent faire de la musique, c'est maintenant. Hein? Moi, tout de suite, j'arrange ça. Voilà, donc, voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Alors donc si les gens sont vraiment intéressés, même les filles, si vous voulez essayer, il y a l'argent dans la musique. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci bien. Voilà. Alors ou bien les jeunes hommes, n'importe qui. Aujourd'hui là, tout le monde peut chanter. Voilà, même les caméramans, si vous pensez que bon, la caméra est lourde, y a quoi? T'as vu ça lieu combien de fois? Oh, je cherche des gens. C'est toi qui es compliqué. Tu me veux, tu salues, tu finis pas. Je cherche des gens qui veulent faire de la musique. C'est ça que tu entends de causer avec les gens. Alors donc si, oui, hein? Comment ça? Bon voilà, donc je disais, même Adia, tu dis quoi? Hey, toi tu vas chanter quoi? Toi tu vas chanter quoi? Oui. Il n'y a pas de souci. On va commencer par un coup de pied. Un coup de pied. C'est la batterie. Coup de pied, c'est la batterie. C'est ça. Attends, il va essayer, tu vas voir. Top, c'est parti. Là. Tu vois. Non, ça, je, c'est un exemple. Maintenant, tu me proposes maintenant ton rythme. C'est toi, tu peux... Oui. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un truc qui manque. Guitare électrique. Donc ça pénem pénem pénem. Je vois maintenant. Ok. On va essayer. Top, c'est parti. C'est bon? Il est allé où ce gars là? Boukari! Oui. Oh. Il est où? Voilà moi. Boukari, ça va pas chez toi? Oh, il était dans les Antoinettes. Je t'ai dit, quand je t'appelle Bou, faut même pas laisser Karil en venir. Parce que je te paye pour ça. Oh. Tu étais où? Il dit qu'il était dans les Antoinettes. Ils ont coupé l'eau. Donc. On dit toilette, on dit pas Antoinette. C'est là-bas j'étais. Donc, comme ils ont coupé l'eau, j'ai fini en même temps, puis j'ai attendu que tu m'appelles. Donc là, la maison est laissée, je suis venu ici. Boukari, viens, je vais t'envoyer. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, c'est lundi, mardi, ma colonie, j'ai le 25 de mars. Jambé, Feglu, Mas, Kabli, je vais en route. Nous sommes dans le mois d'en route. Boukari, aujourd'hui là, c'est mon anniversaire. Ah.
Je suis né aujourd'hui, c'est mon jour de naissance. Tu as fait quoi aujourd'hui? Je suis né aujourd'hui. Toi? Oui. Ah puis tu es vieux comme ça. Patron, mais toi tu s'amuses de... Mais c'est que tu es mon petit. Je te frappe. Je te frappe, tu es malade. Tu es malade. Tiens. Tu vas aller à la pâtisserie. Mmh. Hein? Tu présentes le reçu là, ils vont te donner mon gâteau. Mmh. C'est le gâteau d'anniversaire. Mmh. Si tu vas là, tu n'as pas besoin de parler. Tu présentes seulement le reçu, on te donne mon gâteau, tu viens avec. Point. Je vais à la blanchisserie. Boukari, va à la pâtisserie, ils vont te remettre mon gâteau, tu vas venir avec ça. C'est ce qu'on attend maintenant pour commencer l'anniversaire. D'accord. Vraiment, je ne comprends pas quoi. Oh, j'ai dit, patron, ces gâteaux-là, je n'ai qu'à envoyer ici, ou bien si c'est pâtisserie-là, je n'ai qu'à envoyer ici. Est-ce que tu réfléchis même? Tu es normal. À quoi le sais-je ici? Toi, tu peux déplacer pâtisserie. Oh, c'est ça, il demande là, si c'est quoi, il n'a qu'à envoyer ici. Ces gâteaux-là, ou bien c'est pâtisserie-là, il n'a qu'à envoyer ici. Bon, va avec le reçu. Ils vont te remettre le gâteau. Pâtisserie, là, il faut laisser ça là-bas. Et viens. Toujours de la récupération. Où est mon cadeau? Le gâteau, il est où? C'est ça, j'ai venu voir là. Quoi? Tu n'as pas vu la pâtisserie? Oh, mais je suis découragé même. Tu es découragé pourquoi? Tu as fait tomber le gâteau? Non. J'arrive là-bas, seulement il dit que, ah, voilà, comme tu m'as dit, le cas de donner papier là, il donnait papier là seulement, il dit que l'argent là, c'est pas suffisant, ça souffre pas. Mais j'ai déjà payé. J'ai payé tout. Il dit l'argent de farine là, comme toi tu es vieux là, ton gâteau là c'est beaucoup. Donc ça souffre pas. Je suis vieux comme toi, tu connais mon âge? Ah, tu as dit que c'est aujourd'hui tu es né, donc tu es vieux. C'est ça, il dit que ça souffre pas, faut donner l'argent là encore. Moi, mais j'ai dit, je vais pas, il dit, va. Sinon, elle ne fait rien. Donc, c'est encore moi, je suis venu. Mais il dit, c'est combien? Bon, si je ne me trompe pas, elle dit, c'est combien? 40 000. 45 000. 40 000 ou 45 000? C'est dernier, là. 45. 45 000. Mmh. Et t'en vas loin d'elle. Tiens, va vite. Va vite. Je vais compter devant toi. Non. Allez, va là-bas. Faut pas après. C'est quoi cette histoire-là? C'est trop bête. Moi, mais anniversaire, si je savais même, j'allais annuler l'anniversaire là. Depuis le moment, mon frère m'a dit, attention, fais attention. Anniversaire, ça risque de t'amener quelque part où tu ne t'attends même pas là. C'est ça qui est là. Blin mauvais. Où est le gâteau là? C'est ça encore, je suis venu encore là. Boukari, tu as un problème avec moi. Pardon, amène mon gâteau, on va faire anniversaire là. Ah, c'est que c'est moi. Mais c'est qui? C'est pas qui. Ah, c'est qui c'est moi? C'est le pâtisseur là. Il dit que moi, il n'a qu'à venir te dire que bijou que tu as demandé là, c'est pas bon bijou. C'est que tu as pris là, c'est petit là. Toi, quand tu es comme ça là, ton bijou là doit être gros comme ça. Au pire, en plus là encore, l'argent de carburant, voiture qui a transporté le gâteau là pour venir ici là, il faut donner l'argent de carburant. C'est qui a fait ça là? Moi-même, je venais, j'ai dépassé le gâteau là en route. Au pire, je suis venu dire. Il dit qu'il faut donner l'argent de carburant là. Avec ton bijou que tu as commandé là, bijou que tu as soufflé là, pour toi là c'est le gros bijou. On dit bougie, c'est pas bijou. Oh c'est ça, c'est le gros là, qu'on doit payer pour toi. Mais ce que j'ai acheté là, c'est pour 3 000 tu as acheté, 3 000 là tu peux pas souffler ça où. Là il dit il faut payer le gros là. Je comprends pas. Comme toi tu es vieux. Mais je comprends pas, toi tu connais mon âge. C'est aujourd'hui tu es né. Il faut arrêter ça. Mais il dit c'est combien? Bon, ça là, j'ai disputé avec lui. Sinon, il dit il ne veut pas même. J'ai disputé jusqu'à. On a négocié là. On est tombé d'accord. Peut-être, si je ne me trompe pas, on a tombé d'accord sur 40 000 encore. Mmh.
Transport plus bijoux. Un bijou. Point allumé. J'ai disputé, mais... Tiens, va chercher mon gâteau, je t'attends. Pardon. Boukari, va chercher mon gâteau, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, j'ai venu avec. J'ai venu. Celle-là, c'est la dernière voyage. Vous voyez ça? Blanc est venu m'énerver ici. Toi, tu as venu encore en rajouter. Hein? On me disait que Blanc était mauvais là, c'est ça. Là. Blanc est mauvais. Anniversaire, j'ai organisé ces problèmes, j'ai eu quoi. Non, mais c'est pas sérieux. Joyeux anniversaire. Noyez Ali, Bercé, patron. Noyez Ali, Bercé, patron Gaou. Noyez Ali. Je vais te gifler. Je vais te gifler. C'est en commun. Tes trucs qui sont derrière, ça va passer devant ici tout de suite. Ça va passer. C'est moi qui t'appelle Gaou. Gaou et Gaou, c'est la même chose. Il a dit patron d'abord. Où est mon gâteau? C'est là. Où est mon gâteau? Ça c'est quoi? C'est gâteau là, on a souffert. Attends, moi tout l'argent est venu raqueter ici là. C'est pour me donner ça là. Je te gifle. Non, 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 tu restes là-bas. Je te frappe. Joyeux anniversaire. Bien, allez. On va passer au dernier examen, au dernier élève de cette session. Michel Gaou, si vous pouvez vous approcher. Le dernier nom bachelier. Non, le seul nom bachelier. Bon courage. Médicament du village, hey, tu peux pas passer bas. Monsieur, il a triché. C'est l'ésotérisme. C'est même pas ça. Il attend d'appeler ses enfants. Monsieur, il faut faire contrôle antidopage. Hein. Tricheur. Dit, médicament n'a jamais passé bas. Je suis prêt. Alors, Monsieur Gaou, bonsoir. Donc, en forme, Gaou, vous êtes attendu donc pour... Vous êtes donc attendu pour votre examen d'anglais. Oui. On va donc mener une conversation, tous les deux, une conversation relativement simple, une conversation du quotidien. Et on pourra comme ça estimer un petit peu votre niveau d'anglais. Donc vous vous détendez, hein. Le but c'est que ça se passe bien pour tout le moi et tout le monde. Voilà. Restez bien, bien détendu. Je suis prêt. Je suis prêt. Ok, alors on y va. Première question. C'est les sorciers du village déjà. Vous me déconcentrez. Hein. Allez, s'il vous plaît, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Première question. Where do you park your car? C'est très simple. Est-ce qu'on a étudié ça? Where do you park your car? Where do you park your car? Where do you park your car? Parking. Parking. Bonne réponse. Ok. Première bonne réponse. Félicitations. Ouais. Le col est dur. Deuxième question. Second question. What do you eat? What do you eat at McDonald's? What do you eat at McDonald's?
n'y a pas ça dans son village. S'il vous plaît. Allez, go. Vous êtes peut-être un petit peu stressé à cause de l'examen. Reprenez un petit peu conscience des choses. What do you eat in McDonald's? What do you eat? What do you eat in McDonald's? Toi, Wakrabo. What do you eat in at what do you eat at McDonald's? McDonald's! Hamburger! Oui, bonne réponse! Ah. Ouh là là! Oh là, je reviens de loin! J'avais cette réponse là déjà. Je jure que j'avais ça. Aïe. Ok, troisième question. Third question, the last one, la dernière. What is... What Pourquoi c'est toujours what qui est dedans? C'est ça l'anglais? What is... What is c'est what là? Allez, on reste concentré. What is là on l'a bien. What is Michael Jordan sport? What is Michael Jordan sport? What is Michael Jordan sport? Michael Jordan sport. Un t-shirt. Ouais, il porte un t-shirt. T'as dit porte. Non. Pas porte, sport. Michael Jordan. Alors, je pense que c'est moi qui ai peut-être mal prononcé. On lui accorde le bénéfice du doute. Peut-être. Écoute bien. What is Michael? Michael Jordan sport. Michael Jordan sport. Sport. Michael Jordan sport. 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 Michael Jordan sport. Michael Jordan sport. Sport. Michael Faut Jordan. Pour répondre là-bas. Michael Jordan sport. Prends le temps, réfléchis. Basket. Basket. Réponds vite, faut pas blâmer des refus ici. Basket. Bon, basket. Ouf. Aïe, il y a eu chaud, hein. Ouf. Bravo, félicitations. Ah, j'ai l'examen. Ah ben là, c'est un sans faute, hein. I am the queen of the monde. I am the queen. Non. King. Hein? King, pas... Queen. Bon, si tu veux, ok, queen. Voilà. Okay. Ah. Merci beaucoup. Ah, j'ai le bac. Non. J'ai le bac. Oui. J'ai le bac. Ça, bon, ça c'est écoutez, le genre de bac, si on voit à l'avant, tu vas échouer, hein. Bon, écoutez, Madame la Ministre, je crois qu'on est quand même d'accord. Hein, ils ont tous obtenu leur examen plutôt haut la main. Non, mais vous plaisantez. Non, mais vous rigolez là.
Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'ils ont tous obtenu le bac avec mention très bien. Non, 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 ils n'ont pas travaillé. Moi, oui, ils n'ont pas travaillé. Moi, j'ai travaillé. C'est pas juste. C'est pas juste. Oh, shut up. Mesdames et messieurs, quoi? Dis-moi. Faut le laisser. Faut le laisser. Attends. Oh, non, dis-moi. Oh, attends. Il va mourir. Non, 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 non. Dis-moi où est l'argent? Tu lui as fait mal. Non, 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 non. Tu lui as fait mal. Oh, dis-moi, faut donner l'argent. C'est quoi? Tu fais ça là. Bon, bon. Va là-bas, toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On va agresser. C'est moi qui vais t'agresser. Non, 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 non. Pousse ça ici, pousse ça ici. On t'a agressé où? Je suis sorti de la banque. Quatre personnes qui m'ont agressé. Quatre? Et ils m'ont fait monter dans leur voiture. Je me suis réveillé au jardin. C'est dans la forêt, toi, te réveiller tout de suite. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 s'il te plaît. Non, non, s'il te plaît. Je vais aller chercher le médecin. Je vais aller chercher. Dibé, s'il te plaît, occupe-toi de lui. Je vais aller chercher le médecin. Dibé, Dibé, hey, ouvre les yeux, regarde-moi. Yeri, on se connaît, non? Yeri, on se connaît. Tu me connais, je te connais. Dibé, oh, je te parle. Oh, je te parle. Viens, détends-toi. Yeri, où est l'argent là? Où est l'argent là? Dibé, où est l'argent là? Où est l'argent? Dis-moi, où est l'argent? Où est l'argent? Où est l'argent là? Dis-moi, tu as donné. Dis-moi, regarde. Regarde, regarde ce coup. Dis-moi, sors l'argent. Bon, voilà ce qu'on va faire. Non, attends, attends. Fais attention à toi, Gourou. Fais attention à toi. Ça veut dire quoi ça? Non, mais. Tu vas te retrouver. Non, 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 non. Oh, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu n'as pas honte? Va-t'en. Va respirer. Va respirer. Je reviens. Hein. Oui, oui, oui. On n'a pas fini. Hein. Oh là là. Bon, c'est bon, c'est bon. Tu peux parler normalement. Ils sont partis. Ils sont partis. Allons. Non, 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 j'ai bien gardé. Tu as mis l'argent dans mon coffre. Oui, dans le coup, il y a pneu ce coup-là. Tu as mis ça sous le pneu secours. Hein? Oui, oui, j'ai mis sous le pneu secours. Et puis j'ai déposé la clé de ta voiture dans ton bureau. La clé de ta voiture est dans ton bureau. D'accord, j'ai déposé ça sous ton bureau. Ouf, Yeri, le plus malheureux. Mais tu es fou. Dibé, ça m'a vous voulez vous amuser. Ça, le plus malhonnête même, c'est toi. Donnez ma part d'argent là. Quelle part? Quel argent? L'argent qui est dans ton coffre là. Donnez ça. Dans le coffre de la voiture. Dans le coffre, il y a mon pneu. Il y a ton pneu. Mon pneu secours. Il y a ton pneu. J'ai dit d'appeler Charlotte. Je vais appeler Charlotte. Non, non, non. Non, j'appelle Charlotte. On va partager. On partage. On partage. Voilà. Voilà. Ça fait 60 millions divisé par 3. Non, non, non. Non, 120 millions. 120. J'appelle Charlotte. Non, c'est 60 millions. 120 millions. D'accord, d'accord. Non, non, non. 120 millions, si on divise par 3, chacun a 20 millions, 20 millions. Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est bon. Ah non, 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 il voulait m'avoir 120 millions. Oui. Ça fait. Oui. Divisé par 3. Oui. 20 millions, 20 millions, 20 millions, ça fait oui, 120 millions. Oui, ça fait 120 millions. C'est vrai, hein. Oui. Ouais. Ça fait combien? C'est ça. Ah, on dit 40 millions. Non, non, non. Si, non. Si, si. Vous donnez 40 millions ou bien j'appelle. Il n'y a pas de 40 millions ici. J'appelle ça. Dibé est malade. Oui. Laisse-le, laisse-le. Attends, on va l'amener à l'hôpital. Oui, oui. Dibé va à l'hôpital. Non, laisse Charlotte. Non, non. Charlotte, on va l'amener à l'hôpital. Faut annoncer. On va te donner une prime de 1000 francs. Voilà. Voilà.